Cette technique, elle est vraiment incroyable. J'ai vraiment que je vous apprends à faire un truc illégal. Je sais pas du tout quel goût ça va avoir. Ah, je m'attendais pas à ça. Oui, c'est bientôt l'été et nous allons faire ensemble des foodhacks qui vont complètement changer votre été. Oui, on va fabriquer un distributeur de boissons spécialement pour les cocktails, mais pas tout de suite. Comme d'hab, on regarde le foodhack et on le teste juste après. Du coup, dans des moules à glace, elle met des bonbons, du 7-Up, elle ferme et elle met au congélateur. On va tester tout de suite de créer ces fameuses glaces. Est-ce que ça va être bon? Je l'espère, puisque j'ai exprès, pour cette occasion, acheté des moules à glace. J'ai pris du coup du Sprite. Un peu comme le 7-Up, j'ai envie de goûter avec ces bonbons. Tout simplement parce que j'adore les bonbons qui piquent. Ça là, c'est ces bonbons ficelle. Ça me rappelle trop l'époque où des petits après les cours, j'allais acheter des bonbons. Je sais pas si ça se fait encore d'acheter des bonbons à la boulangerie, mais... Un retour en enfance où le mot diète n'existait pas. On va mettre les bonbons. On va laisser prendre ça après. On goûtera en fin de vidéo le Sprite. Ça fait vraiment un bruit satisfaisant. On va fermer ça. Bon, visuellement, ça annonce du bon. On va mettre ça au congélateur et on passe à la suite. Là, on est encore sur de la glace. Mais de la glace cette fois-ci. Healthy, rapide à faire. Donc, à l'opposé de ce qu'on vient de faire. Donc, c'est très simple. On met des framboises. On met un petit peu de miel. On met un petit peu de citron. On mixe le tout. C'est parti, on va tester. Première étape, des framboises. Faut prendre des framboises congelées. Hein. Citron, quelques gouttes, et même le citron, hein. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Le plus important, c'est le miel. Littéralement, ça m'a pris 20 secondes. Maintenant, on ferme et on va mixer. C'est parti. Et là, ça va se transformer en glace. Ne vous inquiétez pas si au début, ça fait des morceaux, c'est normal. Si comme moi, vous faites une petite quantité, parfois, il faudra appuyer un petit peu les framboises pour que ça arrive bien au fond. Sinon, c'est un peu de mal à mixer. Cette technique, elle est vraiment incroyable. On a une bonne glace à la framboise. Alors, c'est de la glace qu'il faut manger tout de suite. Hein. C'est pas une glace qui se conserve. Regardez-moi cette texture de glace. Honnêtement, c'est archi stylé parce que c'est fait super rapidement. La glace, bonne texture. Oh ouais. Franchement, c'est super. Foodhack. Totalement validé. On passe à la suite. Là aussi, une glace très rapide à faire. Donc, elle prend un bâtonnet de glace, elle le met dans la banane, elle enlève la peau, elle le met au congélateur pendant 2 heures. Ça a l'air d'être très sympa. Elle trempe la glace une première fois dans du beurre de cacahuète, une deuxième fois dans du chocolat. Bien, on va tester. Première étape, j'ai une banane. Donc, je vais faire comme elle. Je vais découper en deux comme ça. Et on va mettre un petit bâtonnet. On va mettre deux bâtonnets. C'est mieux de l'éplucher avant que de suivre le tuto. Ça et ça, ça va se transformer en de très bonnes glaces. Je l'espère. En tout cas, on va mettre ça au congèle et on se retrouve après. Ça y est, la banane est enfin congelée. Donc là, dans du beurre de cacahuète fondu, on va tremper la banane. On n'est pas sûr du manger bouger là. Ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé. Version beurre de cacahuète, on va laisser prendre un petit peu au frais. Par contre, ils sont malins, comment on fait pour remettre ça au frais? Et là maintenant, bam, chocolat. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Soit vous faites comme moi, vous la mangez directement. Si vous le remettez au frais, vous allez avoir le chocolat qui va craquer comme une glace. Si vous le mangez directement comme ça, ce sera un petit peu comme une fondue au chocolat. Donc c'est parti, je vais goûter cette glace. C'est tellement fat. Je crois que c'est trop fat pour l'été, ça. Alors là, pour ce foodhack, on va aller très, 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 très loin. En plus, c'est un youtubeur que je connais, c'est Tipsy Bartender. Rappelez-vous, j'avais déjà fait une vidéo avec lui il y a bien longtemps. Là, il va préparer un truc, c'est incroyable. Regardez ça. Il prend une bouteille de coca, il perce, il bricole. Chacun des côtés de la bouteille, il ajoute des grosses pailles qu'ils ont aux États-Unis. Il nettoie un petit peu la bouteille, il re-remplit la bouteille avec le coca. Et après, comment ça marche? D'accord, il gonfle un ballon au-dessus de la bouteille et grâce à la pression, ça pousse le coca dans les pailles. Ouais, c'est technique, c'est technique. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les explications. Vous avez compris, on va faire une machine pour distribuer du coca pour en soirée. Et on commence tout de suite du coca ici. Faut pas que je me loupe, j'ai qu'une bouteille. Première étape, vider la bouteille. On va faire appel au wok à tout faire. Je vois que ça mousse beaucoup. Hein. C'est un petit peu satisfaisant, non? Waouh, on dirait un grand verre de coca. On va laisser ça de côté et on va préparer notre distributeur. Ce qu'on va faire à l'aide d'un couteau, c'est de percer des petits trous. Donc faites gaffe avec les couteaux. On tourne jusqu'à obtenir un petit trou. Et ensuite, alors lui, il utilise des pailles, pailles américaines. J'ai pas trouvé des pailles. J'ai dû acheter un petit tuyau sur Amazon qui venait avec une seringue. Oui, j'ai acheté pour cette vidéo. Donc là, hop, on va piquer ça. Comme
ça, on mettra le coca. Ça ira dedans, normalement. Du coup, ici, l'opération s'est très bien passée. On a un trou parfaitement étanche. Ici, c'était un peu plus compliqué, donc j'ai dû mettre du scotch. On va ajouter un petit peu d'eau ou une autre boisson de votre choix, de type whisky par exemple. Donc on va en ajouter dans la bouteille, c'est parti. Libre à vous de mettre la quantité que vous voulez. Hein. Dans la limite du raisonnable et avec modération bien évidemment. Mais en tout cas, vous pouvez mettre de l'alcool ou non, ça marche avec les deux. Donc hop, on va mettre les pailles. C'est tellement bizarre ce truc. Moi il y a un gars qui me fait boire ça en soirée, je suis pas rassuré. Je me dis voilà, c'est bizarre ça. Donc là on va verser le coca dans la bouteille. Oh là là, déjà verser du wok à la dent. Waouh, quelle bonne idée, le wok à tout faire. On est quand même plus proche de la chicha que du distributeur d'alcool. Hein. J'avoue que là, aïe aïe aïe. Le wok, il fait tout, mais c'était peut-être pas la bonne idée pour ça. C'est vraiment la soirée, on est déjà un peu à la fin de la soirée. Quelle expérience. On va nettoyer, hein. Tac, magie du montage. Ok, première étape, gonflage de ballon. Ok, donc j'ai un peu tourné le ballon pour pas que l'air passe. Maintenant, je le fixe à la bouteille. On dirait vraiment que je vous apprends à faire un truc illégal, quoi. On y est presque. On y est. Ok. Verdict. Est-ce que ça a marché? Stop. Commentaire. Oui, non. C'est à vous. C'est fait. Très bien. Verdict. Si je lâche le ballon, là. Oh, mais ça marche archi bien, le truc, wesh. Regardez-moi ça. Je te remets un petit peu, Dominique. Allez, hop. Mais ça marche, hein. En vrai, double verre, hein. Je m'attendais pas à ça. Et hop. Un coca plus du tout pétillant. Et une après-midi de perdu pour faire ça. Pas validé. C'est très joli pour la miniature, mais c'est pas un truc à faire en soirée. Ça ne sert à rien. Imaginons que cet été, tu vas à un barbecue où tu as envie de briller en société. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça. Tu prends de la peau de banane. Tu mets des marshmallows à l'intérieur, ça paraît très bizarre. Elle met des marshmallows, un petit peu de biscuits, quelques pépites de chocolat. Elle ferme la banane, elle met le tout dans une feuille de papier alu et elle le fait cuire au barbecue. Et le résultat a l'air d'être vraiment très très bon. Alors, première étape, récupérer une banane. Vous pouvez récupérer l'intérieur de la banane si vous voulez faire une glace en fait. Donc la banane, on la mange, on la laisse de côté et on en fait une glace. Ou je sais pas, moi je la mangeais. Dans notre banane, on va mettre des marshmallows. Je pense qu'en fait, ça, c'est un peu le rêve des gamins qui n'aiment pas du tout les fruits. Tu ouvres la banane, dedans, il y a des bonbons. On va mettre un petit peu des pépites de chocolat. Ah, pépites de chocolat. Ou alors, du chocolat qu'on va couper en morceaux. On va le mettre dans la banane. On se fait plaisir. Et on peut mettre un petit peu de biscuit. Donc moi, j'ai pris des spéculoos. Vous le fermez comme ça, vous aplatissez un petit peu. Vous enroulez de papier d'alu. Et vous mettez dans les braises du barbecue. Pendant 5 minutes, ça va très très vite. Je n'ai pas de barbecue ici. Mais j'ai une friteuse à air chaude. Avoue que ça pourrait être pas mal de tester là-dedans. Il y a une idée. Mais il y a aussi une possibilité que cet appareil, après, soit inutilisable. Je ne sais pas si on met ça dedans, ça va donner. Mais on va tester. C'est parti. Ça part en cuisson. Une grande première. A few moments later. Alors, le verdict, wow. Ça a bien évolué. Try and make a nigga feel a way that you won't follow me. Make a nigga flash a thousand like he hit the lottery. Make a baby. J'ai peut-être un petit peu abusé avec le chamallow. Oh là là, j'ai l'impression d'être avec Bobby et de manger du fluff là. Wow, regardez-moi ça. Oh là là, ça fond, ça coule, c'est chocolaté. Ah ouais. En vrai, je pensais pas, mais spéculoos, chocolat, marshmallow, pas healthy, mais délicieux. Vraiment, je pourrais continuer sans problème. Mais la banane, ça donne un petit goût. Un petit goût de banane. Complètement validé. Bon, j'étais patient. Je vais enfin pouvoir tester ces fameuses glaces bonbons. Bon, déjà comme ça, au travers de la boîte, c'est étrange. Bon, en vrai, quand tu sais que c'est une glace aux bonbons... Oh, oh, ça sent bon. Ça sent un petit peu, ben, le sucre. Le sucre, le bonbon, la chimie, l'acidité, mais ça sent bon. Faisons le test. Sans déconner, c'est bon. C'est vraiment bon. Pour une glace avec du Sprite et des bonbons, c'est vraiment bon. Oh, je crois que c'est acide. Oh, ouais, je kiffe. C'est bon. En tout cas, si tu veux d'autres food hacks comme ça pour cet été, explose le like. Et sur ce, je vais finir ma glace. Et ciao, ciao. Pense à t'abonner aussi. Ouais, c'est bon.